plutôt ce qui me séduit, la vie, l'expression de la vie par la musique. Le chef d'orchestre Celibidache, chef d'orchestre roumain, disait que c'était un terme impropre, l'interprétation. Et je trouve qu'il a raison. Le rôle d'un artiste, chef d'orchestre, metteur en scène, soliste, chanteur, tous les artistes qui doivent retransmettre l'art à un public, n'est pas d'interpréter, mais d'aller chercher au plus profondément le plus profondément possible, la vérité auprès du compositeur, de l'écrivain. On ne fait pas les choses parce que ça nous plaît. On fait des choses parce qu'on estime qu'on est le plus proche de la vérité. Certes, l'ego du chef d'orchestre, du metteur en scène, viendra se placer au-dessus. Mais il viendra tout seul. Il ne faut surtout pas le rajouter. Exprimer. This is very good. Beginning is okay. Pratiquement 15 ans, hein, la première fois, je crois que c'était, il me semble, en 1997. Avec les musiciens de l'orchestre qui étaient tout de suite très engagés. Et c'est une des constantes, je trouve, des musiciens ici. Je me rappelle une autre anecdote, peut-être que les musiciens ne s'en souviennent pas, ils voient tellement de chefs passer, mais
J'étais tellement fatigué, j'ai pas dormi dans l'avion, enfin, que j'ai voulu arrêter la répétition plus tôt. Et le violoncelle m'a dit « Non, 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 on continue !» Et ça a été, c'était un peu comme... oui, je me suis fait tout petit, là, parce que j'ai quand même l'orchestre qui demande au chef de continuer à répéter, je n'avais vu ça nulle part. Mais on n'a pas cette usure, qui existe quand le chef d'orchestre est là tout le temps. Quand il dirige une vingtaine de concerts dans l'année, assez rapidement, les points forts, les points positifs d'un chef d'orchestre disparaissent, enfin en tout cas sont moins tangibles, moins probants, moins intéressants, alors que les failles, les points négatifs font, et les failles s'agrandissent. De Mahler sont quand même très universelles, surtout aujourd'hui, dans la mesure où effectivement Mahler a été cherché dans la vie, mais dans tout ce que représente la vie, hein, ses problèmes existentiels, les problèmes existentiels de l'être humain, la nature, la tristesse, la mélancolie, les différentes cultures, le folklore, tout est dedans, mais à l'état, quelquefois à l'état brut. Pourquoi Mahler a choqué pendant de nombreuses années, on ne pouvait pas, en tout cas un public conservateur, un public habitué à des choses plus traditionnelles, ne pouvait pas imaginer qu'une fanfare puisse débarquer dans une symphonie qui, auparavant, nous présentait des choses beaucoup plus nobles et beaucoup plus sérieuses. Une fanfare, ou alors l'évocation d'un cabaret, avec dans cette première symphonie, des trompettes qui sont quasi vulgaires, de l'ironie, des musiciens qui sont un peu sous, enfin, c'était pas possible. On ne pouvait pas imaginer, dans un contexte de musique classique, de musique sérieuse, de telles évocations. Je suis habitué à diriger mes programmes sans partition, simplement parce que se libérer d'une partition, c'est vraiment une nécessité. La partition, c'est le texte, mais c'est pas la musique. Donc c'est le texte nécessaire pour l'étude de la musique, le texte nécessaire pour pouvoir répéter. Mais la partition, au bout d'un moment, est une entrave. Avoir ce geste à peu près régulier et artificiel de tourner une page, parce qu'en fait, on va tourner une page parce qu'il faut continuer à lire, ça n'a rien à voir avec la musique, forcément. Donc il faut pouvoir s'émanciper de la partition. C'est un énorme travail de mémoire.
qui évidemment est beaucoup plus difficile à faire dans une symphonie de Mahler que dans une symphonie de Haydn ou de Mozart, mais pour moi indispensable, indispensable pour pouvoir me libérer. Chaque chef d'orchestre fait en fonction de ce qu'il est et en fonction de ce qu'il veut bien exprimer. Après, il y a ce qu'on est et ce qu'on veut donner. Il n'empêche que c'est de toute façon ce produit-là qui correspond à ce que donne le chef d'orchestre qui va être retransmis dans la salle. Il arrive, et ça m'est même arrivé, que le travail du chef d'orchestre, finalement, malgré tout son engagement, ne passe pas auprès des musiciens, et qu'on assiste à peut-être une démonstration, on va dire, d'expression de la part du chef, mais c'est pas ça, parce que les musiciens, ça passe pas, ils n'ont pas compris, et ils jouent pas tout à fait ce qu'on veut. L'idéal, ce serait peut-être de venir aux répétitions, de voir comment ça se passe. On assiste à ce moment-là au travail, au montage et à tous les sentiments qui sont par le geste, par les visages, qui sont exprimés directement au niveau pour l'orchestre. Mais ça reste presque anecdotique puisque finalement, ce qui compte, c'est ce qu'on entend.